Solozologue, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode donc du Skyblock 2.0. Voilà, on se retrouve un petit peu sur notre île. Voilà, bon, on n'avait pas grandement avancé l'île en soi, mais on avait surtout un petit peu, souvenez-vous, bossé sur tout ce qui était les challenges et on avait déjà passé un grade. Voilà, donc déjà on peut voir que j'ai 36 000 French coins, ce qui est plutôt pas mal, hein. Parce que quelqu'un m'a donné 35 000 French coins, du coup bah merci à lui, je me souviens plus trop de son pseudo parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais ça c'est un autre problème. Mais bref, du coup on a beaucoup de French coins et tout, donc on pourra un petit peu les exploiter d'une manière sympathique. Vous pourrez voir aussi que j'ai amélioré mon texture pack, du coup on a des trucs qui donnent naissance à vraiment des beaux trucs. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur ce texture pack parce que vraiment là ça vaut le coup, hein. On peut le voir, les textures sont ultra clean. Bon, il y a encore 2-3 problèmes avec l'herbe, j'ai l'impression, faut que je vois avec mon ressource pack et tout, parce que genre celle-ci elle est bien, mais celle-ci c'est d'un autre texture pack et tout. Dans les caves c'est aussi très très sympathique, voilà, ça c'est de la cobblestone pour vous dire. Donc vraiment, ouais, c'est un bon mélange de texture pack que j'ai réussi à faire. Et je vous ferai une vidéo là-dessus du coup, hein, prochainement sur ma chaîne, vous pourrez un petit peu témoigner de tout cela. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pas pour parler de mon texture pack, même si on aurait pu. On se retrouve tout simplement pour faire un skyblock, hein. Ce sera un petit peu le but de la vidéo, comme vous l'aurez vu au titre. Du coup, on va faire un petit slash sky, et vu que le gentil fondateur m'a donné un petit peu de tokens, on va pouvoir s'acheter des clés. Alors les clés, qu'est-ce que c'est? Ça va nous permettre tout simplement, ces fameuses clés, d'ouvrir les coffres qui sont au spawn. Voilà, donc on va en acheter 50 vu qu'on a beaucoup de tokens, voilà, c'est sympathique. Hop, on va aller au slash spawn, voilà. Donc on va ouvrir 50 clés au total. Je pense qu'il y a moyen d'avoir du bon stuff. Alors par contre j'ai fait une petite boulette peut-être, j'ai pas. Ouais non. On va aller à notre slash yes, hop, voilà. On attend un petit peu, hop, nickel. Et on va se crafter un double coffre. Enfin, on va faire deux coffres, on va en faire un double coffre plutôt. Et on va mettre un petit peu tout notre stuff dedans parce que je pense qu'avec 50 clés on a quand même moyen d'obtenir beaucoup de stuff. Donc ce serait un petit peu con si on était full inventaire et qu'on n'en profitait pas assez, quoi. Je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc on va revenir au slash spawn, voilà, c'est nickel. Hop. Donc c'était là dedans les clés, ouais. Et voilà, donc là c'est le coffre. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, hein, où je suis, sur quel serveur si vous venez, je suis sur le serveur Gamma, voilà. Donc si vous voulez me rencontrer, je serai sur Gamma et pas sur Alpha, parce qu'il y a deux serveurs afin d'éviter les lags. Voilà. Donc le coffre, écoutez, c'est parti. On a le truc. Alors je vais baisser mes sons Minecraft après, hein, parce que là, c'est un petit peu infâme. On va pas se le cacher. Voilà. 2%, ce sera parfait. Donc on a 64 bouteilles d'XP. Ça me paraît être plutôt bien, quand même, hein, parce que ça va nous permettre de nous faire des niveaux et tout. Donc ouais, ça je garde, c'est bien. Attention, la seconde clé, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on a une houe, en diamant et fortune 3. Oui, c'est mieux que ce qu'on avait avant, hein, parce que la houe en pierre, c'est pas que c'était nul, mais quand même, si on peut avoir une houe en diamant, je dis pas non. Et je pense que je suis pas le seul à pas dire non, mais bref. Là, on a eu de la glowstone, enfin pierre lumineuse en français, pour les maniaques du français. Donc on en a eu 64, c'est vraiment nice parce qu'en plus avec mon texture pack justement, on va pas m'arrêter d'en parler. Mais avec le texture pack justement, ça donne une belle texture à la glowstone, donc ça c'est vraiment bien. Attention, next, qu'est-ce qu'on va avoir? Et on a des bottes légendaires, donc ce sont des bottes en diamant avec agilité aquatique 3 et solidité 50, donc je pense que pour les casser il faut y aller. Donc ce sont des bottes en or, mais elles m'ont l'air vraiment très 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 bien pour le skyblock, puisque le skyblock c'est pas vraiment du PVP. On pourra aller les tester peut-être dans l'eau là-bas, vu qu'il y a de l'eau en bas. Hop, next, qu'est-ce qu'on va avoir? Attention, une pioche. Alors une pioche plutôt badass, on va pas se le cacher, c'est plutôt pas mal quand même. Efficacité 5, toucher de soi, solidité 3. Je refuse pas, d'ailleurs on va jeter nos anciens trucs un petit peu nuls. Donc ouais, on a une pioche efficacité 5, toucher de soi, ouais, ça va être plutôt bien. Ensuite, next, qu'est-ce qu'on va avoir? Attention, du sable des âmes, ça c'est bien parce que justement, j'ai mon texture pack encore une fois. Désolé, je vais revenir tout le temps dessus. Mais ça rend vraiment bien aussi, et puis ça nous permettra de faire pousser de la netherwart aussi dessus, donc voilà, c'est vraiment bien. Next, attention, de la pierre lumineuse, encore de la pierre lumineuse, ils aiment bien ça j'ai l'impression. Ok, next, attention, qu'est-ce qu'on a? 64 or, ah c'est bien ça, on va pouvoir se faire des blocs d'or, des machins, des stuff en or et tout ça, ça va être vraiment plutôt pratique ça je pense. En plus ça doit peut-être se revendre quand même
au spawn. Je pense qu'il y a moyen, donc ouais, ça se tente. Ensuite, next, attention. Qu'est-ce qu'on a? 64 os. Alors, au début, je me suis dit, non, c'est un peu de la merde, mais non, en fait, si on réfléchit bien, ça va nous permettre de faire de la bonne mille et tout ça, donc c'est pas dégueu. Attention, next. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, table d'enchantement, ça c'est bien parce qu'en plus on a nos niveaux et tout. C'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. Attention, next. Du sable normal, bon ça, ça c'est pas mal en soi. Pour le skyblock, parce que justement on en aura besoin. Du quartz, ça c'est bien. Ça c'est bien le quartz, ça c'est joli pour les maisons et tout ça. Enfin, avec mon ressource pack, encore une fois. Work. Ah oui, c'est pas mal. Oui, non, c'est pas mal, oui. Ouais, c'est pas mal ça, hein, c'est... ouais, attends, mais c'est bien, c'est... Ouais, 100 000 French coat, oui, non, mais si on veut, c'est... Oui, c'est pas mal, c'est... Bravo, les gens, bravo à nous, on a fait fortune grâce aux clés, donc on est à 136 000 French coins. C'est plutôt pas mal, oui, c'est conséquent, oui, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sinon? On va regarder un peu ce qui est intéressant. Il y a la pioche légendaire, ça pourrait être vachement bien. L'épée légendaire. Il y a des trucs intéressants là-dedans. Je pense qu'il y a des trucs intéressants. La tête d'Ender Dragon aussi, qui peut être sympa à avoir. Pour la déco, juste. Cisaille légendaire. Wow. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hache légendaire, ouais. Oh, les élytras, ça j'en veux des élytras. Ça, je veux des élytras, les gens. Ça, je veux des élytras. Ouais, et on peut gagner 1 million de French coins aussi. Putain, ça commence à faire cher. Bon, alors, next, qu'est-ce qu'on va avoir? 64 fer. Bon, comparé à ce qu'on a eu avant, c'est pas ouf. Hein. Une tête de wither. Alors, ça, c'est plutôt pas mal, je pense. Hein. Ça peut être utile pour des challenges ou quoi, même. Je pense que c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a? Encore du quartz. Nice. C'est bien le quartz. Attention, de la glowstone. Encore. Ça, on va pas en manquer, hein, de la glowstone. On va pouvoir décorer notre maison d'une belle manière. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a du sable des âmes, donc ouais, ça c'est bien aussi. Bon, c'est toujours bien pour faire des machines et tout ça. Est-ce qu'on a vraiment... Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'on avait gagné 200 tokens, je me suis dit, what? Ça fait beaucoup? Non, c'est bon. Une hache, bah voilà, ça c'est très bien aussi, parce qu'on n'avait pas encore la hache en diams, donc c'est très bien. Hop, on va continuer, attention, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? La hache encore. Ça nous en fait deux, bon, c'est pas plus mal. Attention, qu'est-ce qu'on a là? Encore, là, ça commence quand même à faire bizarre. Hein. Je veux bien qu'il y ait des coïncidences, mais 3 de suite, ça commence à faire beaucoup. Hein. S'il y a encore une âge, par contre, ouais, non, c'est bon. Du charbon. Bon, c'est toujours bien comme combustible, même si je pense que c'est pas forcément ce qu'on avait besoin en premier. Mais bon, écoutez, c'est très bien. 1000 FC plus une clé. Ah, bah, on a gagné une clé encore. Ah, bah, c'est bien, ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal, c'est sympa. Ensuite, next, qu'est-ce qu'on peut avoir? On roll toujours. Oh, de l'émeraude, ça c'est bien ça je pense. C'est pas dégueu hein, 64 émeraudes. Je pense que il y a moyen de faire quelque chose avec. Du gravier. Ah, vous l'attendiez tous encore une fois, le texture pack. Exactement. Pour mon texture pack, c'est joli. Regardez-moi ce gravier, c'est magnifique. Le gravier, c'est beau. Il n'y a pas d'autre mot, c'est beau. Du coup, ça c'est bien. Ouais, le gravier, c'est stylé. On pourra l'utiliser en pure déco et tout. Ouais, c'est nice. Ensuite, next, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir encore une fois? C'est une blague. Non, mais je veux bien à un moment, mais. Ça commence à faire beaucoup, ça fait beaucoup. Bref, next, du sable des âmes, ouais, ça c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des bottes légendaires, encore une fois. Bon, ça, on va les garder de côté, on sait jamais, peut-être que ça peut s'user. Et attention, next, une enclume. Bon, on avait la table d'enchant, donc suite logique, j'ai envie de dire. 64 gold, encore une fois, on va bientôt aller jeter notre stuff. Enfin, jeter, non, pas jeter, le mettre dans nos coffres, parce que là, on va être bientôt plein. Encore 64 os, c'est bien. Je veux des élytras. Et bah non. Du sable, bon c'est pas dégueu le sable hein. C'est quand même bien pour le cactus et tout ça. Une pioche, ouais c'est bien. Peut-être une épée, ce serait pas dégueu. Du gravier, ouais c'est sympathique. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Du sable, ouais. Attention, 1000 French coins plus du machin. Du une clé, voilà c'était ça. C'était ça que je cherchais. Exactement, donc c'est bien, hein, ça nous fait permettre d'économiser une clé, puis ça nous fait gagner des French coins, donc écoutez, je suis pas contre. Oh, le bois est joli, je vais arrêter de m'émerveiller moi par contre, parce que là ça fait beaucoup de fois que je fais remarquer mon texture pack, je sais pas si vous avez peut-être constaté un petit peu que je le dis souvent, mais quand même quoi. Bref, slash spoon, hop, on revient. Et donc, nous allons continuer sur notre lignée, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci?
On a une enclume, ouais, plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? Toc. Attends, des blocs d'os. Ah, c'est bien ça. Ça fait beaucoup d'os en tout cas. Donc ça, c'est pas dégueu. Une hache, ouais. Ensuite, des bottes légendaires. Ouais, bon, c'est rien de nouveau, mais c'est sympa. Hop, encore une clé. Bon, c'est bien, hein, je suis pas contre. Hop. Next, pierre lumineuse. Ouais, bon, c'est pas dégueu. Un, de l'or. Yep. On speed un petit peu, hein, parce que bon, ça fait quand même beaucoup, 50 clés. Donc voilà, on speed. Hop, du sable. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? De l'or. Ouais, ça va être bien. On a vraiment beaucoup de stuff là. De la pierre lumineuse. Attention. Du diamant. Du diamant. 64 diamants, ça fait beaucoup là quand même. Ouais, je suis pas contre. Je suis pas contre. Ouais, c'est bien, c'est bien. Attention, du sable. Yes. On va faire une grosse usine à cactus, hein, par contre, les gens. Du diamant. Encore? Ça fait beaucoup quand même là, de diamants. Un. Rebonjour. Vous vous souvenez des 100 000 French coins là de tout à l'heure? Ouais. Non mais oui, ça part sur un concept, hein. Voilà. Ah là là. Ouais. Ouais, non, mais ouais, c'est sympa, c'est pas mal, oui. Oui, ça part sur un concept, ça part sur un concept. Ah non, mais genre, mais c'est quoi cette chance là? On avait déjà eu 100 000, moi j'étais en mode, ouais, c'est bon, ça va être le meilleur truc qu'on a eu, quoi. Et là, on a quand même collecté un peu 1 million de French coins. Alors, autant vous dire qu'on a débuté la vidéo avec 35 000. Passer sur du 1 million, ça fait un sacré. Wow, qu'est-ce que c'est que ce délire? Du stuff? Ouais. Pas très intéressant pour nous, hein. On va continuer nos clés, attention. Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Du sable des âmes. Ouais, c'est pas dégueu. Hop, attention. Pour finir, du quartz, voilà. Mais je dis pour finir alors qu'il nous reste 800 tokens, hein, donc. Je dis ça, je dis rien, on a encore des trucs à ouvrir. Hop, on va déjà rentrer chez nous. Alors, je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. C'est 1 million de French coins, honnêtement. Mais il y a moyen de faire des trucs. Oula, ouais. Alors par contre, c'est un peu plein là, non? Je pense que une des premières choses qu'on va faire, ça va être une salle des coffres, hein, les gens. Ça part sur un concept, mais on en a grandement besoin. Donc hop, on va faire 8 coffres déjà. Voilà. Et on va un petit peu déjà commencer à aménager notre île. Bref, on va aller voir un petit peu du coup qu'est-ce qu'on pourrait acheter avec nos French coins, parce que bon, on peut le dire là, on en a quand même un petit peu beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que sa transaction? Non, c'est pas pour nous, je pense. Hop. Slash Sky. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Mon île, non. End, non. Rien. Rien, ça va nous être utile, ça. Spawn prochainement. Shop. Ça va être bien. Ça c'est de ça qu'on a besoin. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter avec tout ça? Parce que là, on a des trucs, on en a beaucoup même. Donc, il y a moyen de s'acheter des trucs intéressants, j'imagine, en tout cas. Donc, du mineral de quartz, bof, c'est pas extra pour nous. De la lampe de redstone, alors ça pourrait être intéressant en effet. On va regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Là, on était dans les minerais, on va voir un petit peu dans les minéraux. C'est différent, attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? De la glace compacte. Oh, de la laine, elle est très très belle avec mon pack de texture. On va recommencer encore avec le pack de texture. Ouais, non, elle est très bien, la laine avec ça. Donc, si j'ai l'occasion de vous la montrer, je vous montrerai. Ouais, il n'y a pas grand chose d'intéressant pour nous là-dedans. Milieu agricole, on verra peut-être si on peut s'acheter des trucs. Et là-dedans, ouais, il y aura moyen de faire des trucs. Honnêtement, il y aura grand, grand, grand moyen de faire des trucs avec ça. Parce que, clairement, ça peut être quand même plutôt pas dégueulasse d'avoir, bah, je sais pas moi, par exemple, des œufs de lapin, de machin, de trucs. Donc, ouais, ça c'est à voir, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. Genre, par exemple, faire une ferme de villageois. Alors, je sais pas si vous savez comment ça marche, mais ça va nous générer du fer à l'infini. C'est plutôt pas dégueulasse quand même si on peut en générer à l'infini. Donc, ouais, pourquoi pas partir là-dessus aussi. Là, c'est toutes les têtes et un œuf de lama. Ouh, les lamas. Ça me donne une idée à la con. Mais ça peut se tenter en vrai. Donc, ouais, pourquoi pas essayer des trucs avec les lamas aussi. Ça peut être marrant. On va regarder un petit peu ce qui se vend dans le marché public. Il n'y aurait pas des élytras par pur hasard. Non, parce que je dis ça, je dis rien, mais ça m'intéresse quand même pas mal. Les têtes de dragon sont un peu chères, par contre, je trouve. Hein, 800 000 French coins pour une tête de dragon, c'est pas que ça fait un peu cher, mais tout de même. Donc, ouais,
À voir. Alors maintenant, du coup, on va aller s'acheter peut-être deux trois petites encore clés. Hein. On aime bien ça, les clés, donc c'est marrant. On va juste entreposer un petit peu ce qu'on a eu dans un coffre. Hop, voilà. Hop, tic, 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 tic. Voilà. On dépose tout ici. On va regarder un petit peu dans les slash C qu'est-ce qu'on a, parce que là, on pourrait passer des grades quand même. Je pense qu'on va passer 2-3 grades, hein, parce que là, quand même, on a quand même pas mal réussi notre fortune. Du coup, hop, 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 hop. Bon, voilà, on passe sur du grade Skybird, ça me paraît bien. Skyrabbit, peut-être? Allez. Je sais pas. Skyrabbit, ça fait beaucoup quand même. J'hésite. J'hésite pour le Skyrabbit. Ça commence à faire beaucoup, Skyrabbit. Hein. Je vous le cache pas, ça fait beaucoup. Donc, je pense pas qu'on va aller jusque-là. On va se stopper là, on va garder quand même 800 000 French coins, ce qui est pas dégueu, hein. Clairement, c'est pas dégueu. Et on va voir un petit peu comment on peut améliorer notre île. Alors, que je me trompe pas aussi, voilà, exactement. Slash IS, hop, voilà, génial. On est des professionnels, hein. Mais on a réussi à faire slash IS, c'est génial. On n'avait pas de stuff. Ah, on garde notre stuff, et eh bah ben, voilà. Autant pour moi. Que je dise pas n'importe quoi, on a le slash fly, voilà, hop. C'est magnifique, merci bien. Donc ouais, ça va être pas mal utile. Donc on va aller dans le slash sky, on va s'acheter encore 2-3 petites clés parce que Michel, c'est plutôt sympathique. Donc on en a pour 300 clés pour avoir... Non, pour 300 clés, pour 300 tokens pour avoir 10 clés. Donc vas-y, on va se faire 10 clés, on va encore les ouvrir. Allez-y, on est des fous les gens, on est des fous, allez-y. Hop, let's go lobby, voilà, BJR tout le monde. Hop, on prend nos petites clés. Et attention, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Tac, de la lumière de l'océan. Donc ça c'est bien les lumières comme ça, là j'aime bien. De l'or, ouais c'est nice. Attention, du diamant, oh, c'est plutôt cool. Next, de l'os, ouais, c'est sympa. Hop, 1000 French coins, c'est une clé. Ouais, bah vas-y, ça nous rembourse la clé, donc pourquoi pas. Encore, on va pas s'arrêter là-dessus. Bloc d'os, ouais, bah ouais, c'était sympa comme on avait dit. Hop, de la glace, ah ça peut être utile. Des bottes légendaires, yes. Je prends, attention, pioche, ouais bon c'est pas ouf. 1000 francs, oh, encore. On est vraiment des gros chanceux, de la clay, yes. Et attention pour le dernier. Alors est-ce qu'on ferait pas un petit peu les gros chanceux et on trouverait des trucs magiques, attention. Hop, on clique. Est-ce qu'on va avoir un beau truc ou pas? Non, bon. Tant pis, on finit sur de la clay. Écoutez, c'est le jeu, hein, c'est pas la fin du monde. Hop, on rentre sur notre petite île. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aménager ici? Parce qu'on a des trucs à aménager, hein, je pense que là, on peut se le dire. On a des trucs à faire parce que là, c'est pas que notre île est un peu petite, mais tout de même. Oh, c'est magnifique ça aussi, hein. Vous avez vu, quand c'est un petit peu, comment dire, irrigué, on voit qu'il y a de l'eau et tout. C'est joli, hein, c'est joli. Bref, on a beaucoup de terre, donc ce que je pense, c'est que je vais faire une délimitation en terre, bah, de jusque là-bas, un petit peu tout ce qui est de l'île. Donc je vous retrouve quand j'ai un petit peu terminé ça, et puis bah, du coup, je vous dis à tout de suite, les amis. Et voilà, re les gens, voilà, on se retrouve donc après avoir un petit peu déjà fait des contours. Donc pour l'île, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez immense quand même. Donc c'est bien, hein, je veux dire, qu'il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça va nous prendre du temps quand même à remplir tout ça. Donc j'ai déjà acheté un peu de terre parce qu'on peut en acheter justement là-bas. Hop, je vais vous montrer ça comme ça. Si vous comptez le faire aussi, bah, vous savez. Vous allez donc dans le shop. Pardon, je vous explique. Hein, voilà. Donc par le minerai de diamant, vous allez dans le shop, vous allez dans minéraux. Hop, et voilà, vous avez le bloc d'herbe. Donc j'achète par 64 clairement. Hop, 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 hop. De toute façon, on va avoir besoin de tout remplir. Donc clairement, niveau budget, faut y mettre du sien aussi. Donc du coup, ouais, voilà, on a dépensé 50 000 French coins déjà là-dedans. Donc on va essayer un petit peu de compléter ça. Alors je pense peut-être pas faire ça dans cet épisode-là parce que ici on a vraiment fait juste l'ouverture un petit peu des clés. Je pense qu'on va continuer d'ailleurs à en ouvrir hein, dans les prochains épisodes, ça peut être sympa, voilà. Comme ça à chaque épisode on en ouvre un petit peu, mais voilà quoi. On va pas tout utiliser aujourd'hui. Vu qu'il nous reste encore 500 tokens, c'est en plus normalement j'ai des commandes qui me permettent d'obtenir genre 3 ou 2 clés, je crois, par jour. Donc voilà, on aura de quoi faire des clés. Donc ce sera cool là-dessus, voilà. Et puis bah du coup je pense qu'on va un petit peu se laisser là-dessus. C'était surtout un petit épisode, voilà, un petit peu ouverture de coffre. Et puis mapping un petit peu déjà du début de notre île. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être grand. Pourquoi pas faire un petit truc dans le style médiéval, ça me plairait bien. Avec en dessous vraiment un centre pour les machines et tout, ça pourrait vraiment être sympathique. Alors je sais pas en quelle hauteur on est en hauteur 132, ouais on aura de la place en dessous.
Donc ouais, il y aura moyen de faire quelque chose d'assez sympathique, je pense. Donc voilà, ça nous laisse que du bon à faire. Donc voilà. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Les gens, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu du soutien. Ça fait toujours très très plaisir. Voilà, en plus, vous en avez mis beaucoup récemment, donc ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, puisque bah, c'est sympa. Ça me permet de voir un petit peu vos avis et tout ça, de vous répondre et tout ça. Aussi, si vous avez envie, bah écoutez, je sais pas moi, abonnez-vous, hein, si c'est pas déjà fait, ça peut être sympa, et partagez la vidéo, vraiment, si vous êtes des gros tarés, parce que c'est ce qui aide le plus la chaîne à avancer, donc vraiment, si vous avez moyen de le faire, faites-le, ça prend un petit peu plus de temps que s'abonner ou quoi, mais bon, écoutez, ça m'aiderait vraiment, voilà. Bref, voilà, c'était Léo pour sa vidéo Skyblock 2.0, attention, et du coup, je vous dis, portez-vous bien les gens jusqu'à ma prochaine vidéo. C'était Léo. Ciao, ciao.